Bienvenue à la lecture publique du projet Histoire exquise. Alors, Histoire exquise, c'est un grand projet d'écriture à relais, d'écriture collective qui a été mené par l'organisme Execo, pour lequel moi, Marie-Paul, je travaille. Je suis médiatrice à Execo. C'est un organisme qui fait de l'inclusion sociale par les voies de la créativité et de la réflexion, en fait. Donc, on a eu cette envie de faire un projet un peu fou qui est né à l'automne dernier. C'est-à-dire qu'on s'est imaginé se passer des histoires. Hein. Le titre Histoire exquise s'inspire un peu des cadavres exquis de textes qui étaient écrits les uns à la suite de l'autre sans savoir ce qui nous précédait. Donc, un jeu littéraire qu'on a revisité. Donc, des médiatrices d'Execo, notamment Janie et Valérie, qui est ici avec nous aujourd'hui, sont tout d'abord allées se promener avec la van d'Execo à la rencontre des gens dans les rues de Montréal pour leur demander des éléments d'histoire. Ils leur ont demandé aussi quel type d'histoire ils avaient envie de se faire raconter. Donc, on est allé chercher des thèmes, des lieux, des époques, des personnages, des mots-clés, des choses donc qui servent hein, à écrire des histoires, bien sûr. Et on est allé aussi, les filles sont allées aussi à l'organisme Singa Québec, donc pour faire une première récolte d'éléments comme ça. Ensuite, nous avons formé des groupes d'écriture avec des personnes qui aiment écrire et qui se consacrent avec passion à l'écriture dans leur vie. Et on leur a offert un peu, en fait, des paquets cadeaux. Alors, chaque personne a reçu un thème, une époque, un lieu, un personnage, un titre même d'histoire. On leur a demandé de débuter une histoire, tout simplement, en jouant avec ces éléments-là, avec beaucoup de liberté. Et nous avons eu donc des ateliers d'écriture pour nous aider à continuer ces histoires. Et donc, les personnes ont commencé une histoire et puis l'histoire, elle a changé de main à l'intérieur du groupe et une autre personne a poursuivi l'histoire pour la terminer ou simplement la prolonger. Et donc, elle pourrait en continuer à se continuer, pour dire ça comme ça. Alors, c'est vraiment un jeu d'écriture à plusieurs mains et aujourd'hui, ça sera des lectures donc à plusieurs voix. La plupart des textes seront lus par les personnes qui les ont écrits. J'interpréterai aussi quelques textes pour des personnes qui ont accordé le droit de lire ces histoires, mais qui n'avaient pas nécessairement envie de le faire elles-mêmes, ce qui est tout à fait correct parce que dans un projet créatif comme ça, tout le monde peut exister à sa manière. Et nous allons faire vivre des imaginaires complètement diversifiés, loufoques, vraiment à l'image d'une espèce de grande mixité qui a habité le projet, qui a forgé le projet en fait depuis le tout début jusqu'à maintenant. Il y a une grande, grande diversité de personnes, d'âge, de provenance, de situations dans la vie qui ont créé ces univers-là ensemble. Donc, on est là pour vous faire la lecture, pour vous raconter des histoires. Et merci d'être avec nous. C'est vraiment c'est l'aboutissement de ce projet, en fait, que nous faisons aujourd'hui. C'est un cadeau qu'on a envie de se faire pour nous, tout d'abord. Et ensuite, qu'on a envie, bien sûr, de vous offrir. Alors, je vais donner la parole à ma collègue Janie, qui va un peu vous donner des conseils pour les gens qui nous écoutent en direct et qui souhaitent, un guide du bon spectateur. Merci Marie-Paul. Bonjour à tous. Très contente de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Un petit code du bon spectateur, spectatrice, rien de trop compliqué. Simplement pour nous rappeler que, un peu comme Marie-Paul a dit, on vous invite à garder votre caméra ouverte simplement pour qu'on sente votre présence un peu plus. En tant qu'artiste, on est tous un peu fébriles aujourd'hui à lire une partie de nos textes. Donc, de vous voir nous donne un peu d'énergie.
Par contre, comme vous le savez, on est en train d'enregistrer, donc aucun souci. Si vous souhaitez fermer votre caméra, en fait, dans le bas de votre écran, vous avez un petit micro et vous avez une caméra. Donc là, vous pouvez peser sur votre caméra n'importe quel moment pour la fermer. Et le micro aussi, on vous invite à le garder là, fermé tout le long. Par contre, il y aura une période de discussion qui ne sera pas enregistrée à la toute fin avec les artistes. Alors, on vous invitera d'ouvrir vos micros à ce moment-là. Aussi, pour vous mentionner, je regarde mes petites notes aux côtés de moi. Si vous voulez réagir pendant les lectures, n'hésitez pas à le faire avec votre expression faciale. On vous invite à la fin de chaque lecture. Si vous avez envie de faire un petit commentaire dans le chat, vous pouvez le faire. Vous avez dans le bas de votre écran un icône qui dit « discussion » ou « chat » selon si votre Zoom est en français ou en anglais. Et on vous invite de cliquer et vous pourrez écrire des petits commentaires ou réactions. Oh là! N'hésitez pas aussi, si vous avez des besoins, de nous écrire. Dorothée, entre autres, va s'assurer de répondre à vos demandes techniques ou autres sur le chat. Et également, dans le chat, pour les plus visuels du groupe, on mettra le lien vers le blog ainsi que tous les textes lus au fur et à mesure. Donc, si vous voulez suivre les textes en les lisant, le lien sera mis dans le chat également. Pour ceux qui voudraient réagir pendant les lectures, il y a le petit bouton « Réaction ». Vous pouvez venir nous faire un cœur ou encore un applaudissement si vous avez envie. N'hésitez pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les petits intermèdes musicaux. Oui, il y aura un petit intermède musical avec Chopin qui nous a accompagnés tout au long de notre projet. Alors, Chopin sera là pour nous aider à nous dégourdir un peu la tête après trois lectures. On aura une petite minute pour ça. Dégourdir et on reviendra ensuite. On a aujourd'hui 10 textes à vous partager. Vous pouvez les suivre aussi tranquille. Dans le chat, on mettra l'ordre. Et je pense que c'est tout pour de mon côté. Merci beaucoup, Janie, pour ce petit code qui nous permettra de bien vivre cet événement en ligne. Merci aux gens qui sont venus nous rejoindre. C'est vraiment très agréable de vous savoir présente et présent en fait avec nous. C'est très touchant. On va commencer avec les lectures sans plus attendre. Un premier texte qui s'intitule « Les chaises » qui présente un étrange dialogue, qu'il a fallu imaginer et qui a été créé tout d'abord par Diane et poursuivi par Natalia, qui nous en offre la lecture. Voici donc les chaises et le micro est à toi, Diane. Les voilà installées une en face de l'autre, d'un blanc immaculé, de leur style adirondack, dans le jardin ensoleillé, situé près de l'immense maison toute blanche aux fenêtres et aux vents noirs. On aperçoit parfois dans le ciel quelques nuages gris, précurseurs d'orage. On entend en sourdine, venant de l'intérieur, la chanson « Sound of Silence » version 2016 du groupe Disturbed, nous faisant revivre ces années folles du « Peace and Love » mais cette fois servie à la moderne. Je me demande bien ce qu'elles peuvent se raconter ou se remémorer. Peut-être l'histoire du petit raton laveur qui avait fait un pipi sur l'une d'elles et à qui on avait fait subir de tels supplices que nul ne penserait de faire vivre au pire de ses ennemis sachant se défendre. Alors que cette pauvre petite bête bien innocemment s'était étendue un soir de tranquille canicule et que par accident, sa vessie s'était laissée aller. Le propriétaire d'alors, un chef de gang criminalisé,
ne s'était pas gêné pour faire vivre à la pauvre bête les effets de ses cruautés dont personne n'aurait pu douter de la dangerosité. Était-ce sincère ou gratuit? Un exutoire à une frustration quelconque, personne ne le saura jamais. Ou bien, discute-t-elle du nouveau propriétaire qui s'est installé voilà déjà un an et qui a pris l'habitude, dès les premières journées chaudes, de s'installer sur l'une d'elles avec son ordinateur portable sur les genoux et qui écrit, écrit, écrit. Difficile de savoir ce qu'il écrit, ne sachant pas lire, mais par les vibrations du clavier, la vitesse et parfois la légèreté des touches, il est facile de comprendre qu'il écrit quelque chose de gai, de beau, de positif, peut-être même de généreux. Alors que par moment, on ressent la lourdeur de ses doigts qui reflète probablement celle de son esprit et que ce qu'il écrit est peut-être dramatique. Chut! 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 Écoute! Écoute! Porte l'oreille! Le type pleure! Il s'effondre en grosses larmes. Le type dit: quel beau moment passe ensemble, 30 ans de vie commune, 3 beaux enfants. On a beaucoup ri. Pourquoi s'est-elle suicidée? Pourtant, notre couple allait super bien. On était heureux. Mais pourquoi? Ouh. As-tu entendu? C'est triste. Quelle fin tragique. Change-moi les idées, s'il te plaît. Parle-moi d'autre chose. Te souviens-tu quand tante berçante était empestée des flatulences du grand homme? Elle a bercé si vite que l'individu s'est retrouvé le fessier sur la pelouse. Que oui, je m'en souviens. Les deux chaises s'esclavent de rire. Merci beaucoup, Natalia. Merci, Diane, aussi, pour cette lecture. On aura l'occasion de les réentendre aussi par la suite. Elles ont écrit beaucoup. Ce sont deux belles plumes et amoureuses de la littérature qui s'y donnent vraiment avec cœur. Notre deuxième histoire nous accompagne et nous entraîne dans un étrange voyage. La constance de l'inconstance sur un drôle de bateau. Une histoire qui a été créée par Dorothée Dessé et Alani, qu'on écoute à l'instant. Dorothée, le micro est à toi. Artus se regarda dans le petit miroir accroché sur la porte d'entrée de sa cabine et sourit généreusement en voyant les sillons qui entouraient ses yeux et la broussaille grise qui dévorait son menton. Attentif au faible roulis, il en déduisait que ce matin, la mer était calme et une douce chaleur printanière se répandait dans la pièce. Selon ses calculs, on devait être aux alentours du mois de mai. Il passa un peu d'eau fraîche sur son visage, s'étira le dos et referma soigneusement la porte en bois grinçante, entrepris de rejoindre le reste de l'équipage dans la grande pièce commune. Une vingtaine de personnes vivaient actuellement sur l'Albatros, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, de tout caractère et de tous horizons, mus par une commune pulsion de liberté, d'évasion, par une quête de sens personnel ou collectif. Chacun ou presque avait embarqué dans un port différent, avec ses pensées et quelques effets personnels. La durée du voyage variait. Certains étaient là depuis quelques semaines, d'autres depuis des années. L'Albatros, quant à lui, semblait exister depuis toujours. Sa charpente de bois massif était patinée par le temps, ses voiles délavées par le sel et le soleil. On embarquait sur l'Albatros parce que l'on caressait le désir d'atteindre un nouveau point de départ, et l'Albatros se trouvait alors sur votre route, comme par magie. Telle une main tendue par la Providence,
une passerelle vers une odyssée bienveillante, un échappatoire, une arche de Noé. On cherchait un lieu où exister de nouveau, une page vierge où tout recommençait, affranchi de toutes les règles sociales, de toutes les machines à vapeur, de la noirceur humaine, du bruit, de la violence. Un lieu où tout réinventer ensemble. Un lieu dont seul Artus, le doux et énigmatique capitaine, connaissait la prétendue destination. Et on ne l'atteindrait sans doute jamais, car ce dernier, méditatif, la pipe dépassant de son épaisse barbe, absorbé par les dessins de ses cartes, en déplaçait en réalité constamment les lignes et les points, les trajectoires, les directions, dans le plus grand secret. Bien sûr, certains passagers avaient débarqué. Un jour, on le sentait, c'était la dernière nuit. La dernière escale avant de reposer le pied sur la terre ferme, de jeter son ancre pour un temps, conscient du voyage et plein de gratitude envers les rencontres avec soi ou avec d'autres individus qui l'avaient permis. L'albatros était ce cheval de Troie vers la sérénité, vers le chapitre suivant. Et dans ses entrailles, les histoires s'entrecroisaient, se tissaient. Chacun y apportait son vécu, ses savoirs, ses idées, son caractère et sa débrouillardise. Ensemble, l'équipe imaginait la vie de ce nouvel Éden, et comme sa composition évoluait constamment, les plans évoluaient également. La salle commune, chaleureuse, décorée d'objets glanés au fil du temps et des rencontres, servait de point central de ce laboratoire expérimental. C'était un haut lieu de philosophie, une agora des mers, dans laquelle chacun pouvait donner ou non son opinion, se regarder l'intérieur ou contempler l'horizon. De larges banquettes bordaient les murs de la pièce, et le soir, des lampes à pétrole basses tanguaient au gré des remous, éclairant de leur lumière intime une grande bibliothèque, dans laquelle se mêlaient des chefs-d'œuvre classiques à de prometteurs essais et manuscrits rédigés par d'anciens odysséens. La musique occupait elle aussi une place de choix, puisqu'un large phonographe remplissait la pièce de symphonies, de ballades, de notes majestueuses qui donnaient aux tempêtes et au lever de soleil brumeux des airs grandioses. Chopin, Mozart ou Beethoven semblaient se joindre alors à l'équipage pendant quelques instants sublimes. Ce matin de mai, donc, Valdir avait cuisiné une appétissante omelette accompagnée de morue séchée et d'épaisses tranches de pain aux céréales. Les assiettes fumaient autour de la grande table en bois. Certains se préparaient à prendre le quart de travail. Les frères Merlot prenaient des forces avant de lessiver le pont à grande eau. La petite répertoriait au pinceau ses rêves de la nuit dans un petit cahier. Caria avait décrété une vaste opération de lessive à bord. Et Madame Lia affûtait ses ciseaux et ses lames. C'était une belle journée pour couper les cheveux et tailler les moustaches. Aller sur ce bateau en exil, c'était certes pour créer une société nouvelle. Il y avait également aussi des spectacles burlesques sur le paquebot. J'y avais même créé ma compagnie de danse. On s'amusait bien. Le navire avait plusieurs ailes. Celle de la danse, l'aile pour méditer avec des essences, des encens spéciaux, et aussi pour les chamans qui voulaient partager leur savoir pour les champignons magiques. Il y avait seulement de la place pour une personne par semaine pour essayer cette pousse. Seulement pour les téméraires, la personne était placée en isolation pendant 2 jours. On lui donnait un cahier, des essences à brûler et de la peinture pour peindre sur des assiettes, de la verrerie. C'était un engagement compliqué et risqué, mais la personne qui le faisait pouvait se targuer d'avoir ses œuvres exposées dans le pavillon des expériences psychotropes du musée et aussi sa vaisselle mise à la disposition de tous et toutes. Il y avait l'aile de la piscine. Tout le monde était invité à 5 heures du matin et 19 heures du soir à se faire aller les jambes avec de la salsa aquatique. Le soir, c'était la soirée tremplin et spectacle. Il y avait de la musique classique et du jazz et aussi un peu de djembé africain. La salle commune avait énormément de livres, d'écrits des odysséens et chaque semaine,
un ou une des participantes devait faire une lecture publique de 5 à 20 minutes sur ses écrits. Il y avait dans le navire énormément d'actions, mais le monde qui était faisait émerger le rêve de leur vie, donner de la dignité et de la noblesse à leur art, comme il se doit. Les femmes qui dansaient avaient le potentiel de briller par la danse, mais certaines, plus dans le début de la vingtaine, ne voulaient pas que leurs parents les voient. Elles se réfugiaient donc dans le navire de l'autre monde pour jeter leurs idées et grandir loin des yeux du monde. C'étaient des gens qui avaient besoin de vivre du contact les uns des autres et qui ne pouvaient supporter de se retrouver avec des gens qui ne vivaient pas mordicus pour leur art. Cet endroit servait à équilibrer les esprits. Il n'était pas, par ailleurs, pas rare que beaucoup de personnes se retrouvent dans la piscine d'amusement. Mais bien sûr, même s'il y était question de s'amuser, il y avait une certaine considération à apporter à son look de piscine. Des accessoires comme des chapeaux et des pareos étaient mis à la disposition de tous et toutes. Et chacun et chacune se devait de les ramener le soir. C'était pour développer l'esprit de partage et aussi pour encourager les gens à avoir une certaine grâce. C'était un lieu de bonheur et d'apprentissage artistique, une maison navigable où apprendre à vivre de ses dons artistiques, de sa beauté, respirer sa confiance. C'était un ancrage dans la vie en soi qui porterait tous les initiés du bateau toute leur vie. Bravo, merci beaucoup Alani. Bravo Dorothée et Alani pour cette très belle lecture. Alors pour les gens qui sont avec nous dans le chat, il y a les liens vers notre blog. Donc on a créé un petit blog pour publier les histoires. Vous pouvez les lire en même temps, ce qui est un plaisir en ligne, bien sûr. Et vous allez voir quelques illustrations. La plupart sont signées par Dorothée, mais quelques-unes aussi par Alani. Alors voilà, si vous comprenez le principe de cette histoire à relais, de ces histoires à relais, ces histoires exquises et de ces univers donc partagés. Merci beaucoup pour cette histoire qui nous donnait de l'horizon et qui nous ramenait à des choses aussi bien essentielles. Nous poursuivons la lecture avec Les yeux d'Alexia, une histoire qui nous ramène un peu dans le passé, après la guerre, et qui fait un bond dans le temps aussi. L'histoire a été créée par Estelle Gilbert, qui est avec nous, et Éléonore, dont je vais interpréter la partie. Alors, bonne écoute. Estelle, le micro est à toi. Le 15 novembre 1949, Walter sort de chez lui. Il se dirige vers son travail avec un thermo géant de son café préféré, ce café que lui envoie son fidèle ami Helmut. Ses pensées traversent le temps, avant la guerre, avant les soviets, avant la misère. Lui et Helmut travaillaient au laboratoire Bayers, deux grands chercheurs séparés par l'inconcevable. Leurs travaux sur l'énergie des neurones avançaient à grands pas. Ils étaient à l'orée d'un accomplissement scientifique. Puis maintenant, tout avait changé. Destruction, ruines, tout n'était que poussière. Tant de choses à rebâtir. Lui qui avait toujours aidé à créer de la solidarité était complètement désabusé dans un monde étranger. Séparé de sa famille, il se sentait déprimé. Maintenant, il se sentait vraiment pris dans une toile d'araignée. Son travail comme vendeur de souliers dans le quartier chinois suffisait à peine à subvenir à ses besoins. Heureusement qu'il y avait Alexia. Dans son regard, il était un roi. Un sourire illumina son visage lorsqu'il vit la petite couronne dorée posée sur sa tête. Il avait rencontré Alexia par un soir d'hiver. Elle était sur la pointe des pieds, dans la boutique où il travaillait. Elle était gelée. Petite, toute frêle, les cheveux noirs dépassant de son béret bleu. Un long manteau anthracite qui lui frôle les mollets et des bottines usées, complètement usées.
La boutique se vida. Il s'avance vers elle et lui sourit. Avant toute chose, il l'invite à s'asseoir loin de l'entrée pleine de courant d'air. Il la laisse faire un thé. Il lui en propose donc un aussi. Du thé vert qu'elle boit en tentant de ne pas grimacer. Il le voit bien, mais sent aussi qu'elle se réchauffe lentement. Sans rien dire, il fait le tour du plancher en cherchant des bottes doublées. Il en trouve une paire qu'il juge à sa taille et la pose par terre devant elle. Elle lève les yeux sur lui, des yeux bleu nuit, infiniment tristes. Elle hésite, respire doucement et se penche vers lui. « Merci pour le thé. Je n'en attendais pas tant. J'avais juste besoin de me réchauffer un peu. Monsieur? » Walter. Je rentrais. Je vous laisse. Vous êtes? Alexia. Si vous permettez, Alexia, j'aimerais tout de même vous faire essayer ces bottes. Ne dites pas non, je vous en prie. Vous en avez besoin. Ensuite, je ferme boutique. Il fait déjà sombre. Je vous raccompagnerai. Alexia ferma les yeux et laissa Walter lui retirer ses bottines détrempées. Walter ferma les yeux à ce souvenir. Il esquissa un sourire en pensant que depuis ce jour de décembre 1948, son cœur s'était apaisé. Merci. Merci Estelle. Merci d'avoir créé cet univers donc, qui a été repris ensuite par Éléonore. Et donc, on fait une petite minute musicale pour prendre le temps d'absorber toutes ces histoires, tout ce qu'on se fait raconter. Et on vous revient avec d'autres histoires. On a 10 histoires en tout. Merci d'être avec nous. Alors, la musique est coupée, mais vous entendiez donc Chopin qui a été notre compagnon de route. C'est une personne qui nous a offert Chopin dans les collectes de mots. Et Chopin est donc cette figure qui prend plusieurs visages et plusieurs histoires. Merci beaucoup. On continue, on essaie, on vit ça en direct. Nous ne sommes pas spécialistes des spectacles sur Zoom. Je vous remercie beaucoup de votre compréhension, de votre indulgence à cet événement de partage, tout simplement, que nous essayons de faire advenir aujourd'hui dans cette drôle d'époque, si on peut dire. Nous allons continuer en lecture tout de suite. Alors, complètement vers plutôt là, après le passé, nous allons vers l'avenir. C'est une histoire qui s'intitule Le Bon Géant et qui a été écrite par Sarah Léa et Jocelyne, qui ont participé à plusieurs ateliers d'écriture, qui ont une grande passion pour la poésie, mais les histoires et un peu de philosophie aussi. Voici donc Le Bon Géant par Sarah Léa et Jocelyne. Sarah Léa, c'est à toi.
Bonjour Alice. Bonjour, cher journal. Alice, je sais que tu n'existes pas. Je t'ai inventée pour réfléchir et trouver des solutions. Je te parle quand le besoin s'en fait sentir. Grâce à toi, je trouve la paix pour apaiser ma colère. On dit que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et notre imaginaire. C'est pourquoi tu existes pour moi. Un peu comme durant mes méditations apaisantes, il s'agit d'imaginer un lieu tranquille et visualiser ce que l'on désire créer, et la sérénité revient. Alice, tu es si petite et si fragile, comme je le suis à l'intérieur. Pourtant, l'image qu'on a de moi est souvent effrayante. Trop grand et rebelle, les cheveux en bataille et les vêtements colorés. Mon entourage comprend mal mon désir de surveiller les manipulateurs puissants qui cherchent toujours à retrouver leur passé perdu. Mon frère me reproche de combattre des moulins à vent. Il n'aime pas mon amie Allegria, la seule à m'encourager. Cette femme a un don merveilleux. Quand ma colère gonfle, elle le sait. Elle arrive, écoute mes récriminations, puis trouve un petit point positif dans mon flot de paroles. Elle me le renvoie comme un miroir. Mon calme revenu, je peux réfléchir à nouveau. Hier, j'ai reçu mon lit de guérison. Enfin, c'est un ajout à mon matelas au rayon bienfaisant. Malgré mes 90 ans, je suis solide physiquement. Pourtant, on vient de me diagnostiquer un cancer insidieux. Il semble que le lit va pouvoir me guérir. Je le souhaite, car je n'ai pas terminé ma mission qui a commencé il y a 10 ans. J'étais un membre de la Sécurité mondiale dans l'équipe du Québec. Les puissants trop riches qui ont survécu au nettoyage de 2021 tentent de reprendre le contrôle. Ils cherchent à détruire ce que le mouvement de lumière a gagné et distribué au peuple de la planète. Le lit de guérison fait partie des découvertes merveilleuses de notre époque. Il permet de rester en santé ou de faire disparaître certaines maladies sans l'aide de médicaments. Dans mon refuge près du lac, j'écoute la musique des percussions africaines. Elle remplit ma maison d'énergie et agrémente ma vie solitaire. Je n'entends pas le son des vagues ni celui des cordages sur le mât de mon voilier. Aujourd'hui, il y a de grands vents de tempête. Il ne pleut pas encore, mais à travers les nuages, je vois un ciel en feu. Cette musique et ce paysage me remplissent de joie. L'hologramme de mon amie Allegria vient de me visiter pour m'annoncer les tentatives dangereuses des oligarques déterminés à reprendre leur ancien pouvoir. Cette maison isolée m'aide à garder mon équilibre. Pourtant, je la quitte encore une fois pour réunir le groupe de sécurité mondiale afin de surveiller la bonne marche des systèmes de protection des citoyens. Nous devons terminer le travail et couper une fois pour toutes ce qui reste des nombreuses têtes du serpent maléfique. Je sors sur ma terrasse afin de profiter de cette nuit magique.
Les rhododendrons du jardin sont fleuris. Je cherche mon chapeau fou, ma chemise bariolée, mon long manteau sombre, et je fais mes bagages. Soudain, ma main tremble, tout comme la terre autour de moi. L'inquiétude s'insinue sournoisement en mon corps, paralysant ma vivacité, déjà voir mes plans de départ. Je n'arrive plus à raisonner et tous mes efforts pour bloquer le bruit assourdissant en simultanéité avec le sisme éteint en moi toute véhilité de résistance. Dans un faible sursaut de lucidité, je cherche en moi un grain de colère pour qu'Allegria, mon amie, ressente mon appel. Au loin, dans son monde parallèle, un faible frémissement agite l'hologramme d'Allegria. Puis, le néant s'installe, envahissant de noirceur, d'ombres mouvantes, tout autour d'elle. Allegria sursaute et tente sans succès de communiquer avec l'extérieur de son hologramme. Angoissée, fébrile, elle écoute le silence. Le danger est imminent. Elle se doit de comprendre rapidement d'où vient l'appel. Mais son don se résume à si peu. Elle doit viser quelqu'un. Et cela sans plus tarder. Oh, Chopin, le pèlerin musicien qui, dans la force de l'âge, domine en sagesse le troisième monde. Il est le seul qui pourrait l'aider et en qui elle peut avoir confiance. Chopin a banni l'oligarchie dans son univers et le symbole de son monde est une branche d'olivier. De toutes ses forces, Allegria l'appelle. Chopin ressent le désespoir dans cet écho qui fait vibrer les montagnes, dans le désert où il s'est réfugié pour puiser à la sérénité de son monde. Perplexe, il rebrousse chemin rapidement et d'un bon pas rejoint le monastère construit à même les falaises du gouffre intersidéral. À son arrivée, tout un chacun vaque à ses occupations, preuve que personne n'a ressenti l'appel. Chopin se questionne, car malgré sa force, sa passion pour le bien-être des gens qui le côtoient chaque jour, il n'est pas à l'abri des chimères. Dans son intelligence profonde, il sait fort bien que les puissances se battent sournoisement et mènent leur bataille en transformant les torrents en paisibles rivières pour tourmenter l'inconscient de l'eau lustrale. Une nouvelle secousse fait vibrer légèrement le sol sous ses pieds. Il s'agenouille, ferme les yeux et met un genou en terre en s'appuyant sur son bâton de pèlerin. Il s'ouvre à l'écoute du monde. Malgré sa faiblesse, le message d'Allegria est clair. Et à l'instant où il l'entend, un autre volet s'ouvre et il aperçoit le chef de la sécurité mondiale évanoui dans son refuge secret. Dans un sursaut, il aperçoit le dôme maléfique qui entoure l'épaisse fumée et les éclairs qui zèbrent l'espace tout autour du soldat. Chopin respire profondément et en une pensée magique réconforte Allegria pour avoir le champ libre afin de pouvoir combattre l'ennemi. Sa pensée rejoint ensuite son meilleur ami Mozart et il lui explique rapidement la situation. Mozart a vécu dans l'autre monde et a connu les périodes qui ont précédé la crise des puissants. Il est le créateur du mouvement de lumière. Il a connu dans les années prolifiques l'ouverture sur le monde,
la révolution agricole des années 60, les insurrections étudiantes, la révolution sexuelle, morale, artistique, les avancées scientifiques, la politique, le terrorisme et la guerre froide. Puis, l'apaisement d'un monde factice et hypocrite, l'économie qui déterminait les classes sociales, ou bien souvent boulot, dodo, était le leitmotiv d'une société où la consommation était excessive. L'apogée de cette société aigrie et asociale arriva en 2020. Un virus destructeur fit s'effondrer les marchés, l'économie mondiale s'écroula et le nombrilisme des peuples éradiqua plus de la moitié de la population vieillissante. En 2021 vint le grand nettoyage et la naissance du monde de lumière. Le retour à la Terre, l'entraide, l'équilibre entre les gens et l'extinction des puissants. Mais certains réussirent à se cacher dans les ténèbres avec leurs richesses, attendant le jour où ils pourraient enfin se venger et reprendre possession du monde. Oh, il fallait faire vite, car si les puissants gagnaient cette guerre, la grande noirceur envahirait le monde et il serait difficile de recréer le confort. Et de plus, ils détruiraient ou s'approprieraient les avancées scientifiques, la nourriture distribuée dans un monde égalitaire où le bien-être de chacun primait. Après une brève concertation entre les deux amis, Mozart créa un halo de lumière qui tourbillonna dans le vent. Et Chopin y insuffla par son esprit la force rageuse du Mistral, ce vent turbulent qui, au contact du souffle de Chopin, augmenta de violence jusqu'à former un entonnoir transportant la lumière et suivant une trajectoire directe pour se rendre au refuge du soldat de la paix. La tempête heurta de plein fouet le dôme qui éclata en mille éclisses et la lumière trancha l'éclat de chaque fragment, les transformant en cristal de roche, dont l'éclat aveugla les puissants habitués aux ténèbres depuis fort longtemps. Le vent s'essouffla et la lumière guérisseuse s'agita au-dessus du soldat de paix qui émit un long gémissement. À son réveil, il n'aurait aucun souvenir et jamais il ne saurait que la guerre s'était écoulée durant son évanouissement. Le calme s'installa et le bruissement des feuilles, le clapotement de l'eau sous la douce brise fut une douce musique à l'oreille de Chopin. La paix et la sérénité semblaient prêtes à reprendre leur place et le soldat bien installé dans son lit. Son souffle régulier était de bon augure. Épuisé, Chopin annonça à Allegria que son inquiétude n'avait plus lieu d'exister et que son vieil ami, le soldat, serait enchanté de recevoir la visite de son hologramme. Excusez. Puis, il rejoignit en pensée son ami Mozart, qui, par son intelligence, son expertise et sa force, avait permis non seulement de sauver in extremis un gardien de la paix téméraire et dévoué, mais aussi de rétablir la paix. Heureux de partager cette entraide fraternelle entre les mondes, Mozart envoya dans la nuit étoilée une colombe avec un rameau d'olivier dans son bec pour survoler les mondes et faire parvenir un message de paix autour des mondes. Chopin bénit le ciel d'avoir un ami si prévenant et remercia la voûte étoilée qui l'enveloppa dans un sommeil profond et réparateur. Merci.
Merci à toi, Jocelyne. Merci pour cette belle lecture et Sarah Léa aussi pour avoir ouvert cette histoire. Donc, Jocelyne ne faisait pas partie des ateliers d'écriture. Elle écrivait en parallèle aussi cet automne. Donc, elles ne se sont pas consultées. C'est vraiment uniquement par la littérature parce qu'il y a des histoires dont les suites sont plus surprenantes que d'autres. Mais là, entre Jocelyne et Sarah Léa, il y a eu comme une unité de pensée où c'est difficile presque d'imaginer qu'il y a quatre mains qui ont participé, deux têtes qui ont participé à cette écriture. Tellement il y a une suite dans leurs propos et dans cette histoire qui regarde vers l'avenir, mais qui parle aussi un peu de notre présent. Donc, merci de nous avoir emportés dans votre univers, en fait, un univers unique qui s'est créé à deux et à distance. C'est une très belle expérience. Nous continuons avec un texte sans titre au début, mais Priya, qui l'a commencé, a trouvé un titre cette semaine et elle l'a intitulé « Vague de changement ». C'est un texte poétique et sensible, vraiment à l'image de ces deux autrices, Priya et Natalia. Donc Priya, le micro est à toi. Cette année, tout semble différent. Après la pluie et tout l'été de tout l'automne, le fruit semblant encore accroché aux arbres qu'il refusant de mourir ou de s'ouvrir. Alors que je ratissais le fruit d'automne crépitante au rythme d'une mélodie intérieure, le soleil d'automne s'efface dans la grisaille et un frisson me prend au dépouvre comme une sonate d'extérieur suspendue en plein air. Je me empressais de bricoler le seul chauffage qu'il semble lui aussi être en fin de vie. Je me arrête alors. Et avec toute la force et toute la couleur qu'il était réservé à leur cœur, je me retrouvai à lui donner une coupe de pied gigantique qu'il résonne dans toute la maison et ses figues dans l'histoire. C'est la seule chose qu'il reste sur cette île. Je cherche le ventre pour de continuer une raison de garder la foi. Je me défoule en rafale à quasi perdre temporairement les pédales. De l'air, j'ai besoin d'air. J'enfile mon manteau, sors et je marche vers un vaste espace vert, coloré automnal. Assise sur un banc de parc, je respire, aspire, méditant quelques heures. Un texte avec émoticône me hante l'esprit. Ça peut être une interprétation de ce que je vis en ce moment, au présent. Voyons voir. En début de vie, cette année, tout semble différent. Pluie d'automne, nettoyant en profondeur, plusieurs dents grincent aux abrasifs. Feuilles apaisantes tombent, tourmentant au calme. Les fruits s'accrochent à un fil, faisant la file. Le collier perlé s'attache, on s'y rattache. J'entends le chant, son en bruit de fond, résonnant un air gracieux. La sonate sourit au coup de vent. Frisson au présent cœur, je sue. Ô bonheur! Les artères se décontractent. Scintillantes bûches réchauffent l'ensemble. Ambiance rassemble ensemble. Tous pour un s'habillent de vêtements neufs. Nous repartons en voyage extraordinaire. Une aventure interplanétaire. Le voilier arrive,
voguant mode nouveau. À la rive, on y arrive. Ladies and gentlemen, we are back. De retour. Home on pure water tracks. À la maison sur la voie d'eau pure. Sur le tapis rouge, déroulé par foule amour. Le soleil plombe à plein feu rouge, continue, en continue, ô chaleur. Continue, continue, en continue l'histoire. À la maison, oh dear, le système de chauffage est suspendu au plafond. Super. Perché si haut, la chaleur va réchauffer la demeure entièrement. Soudain, j'entends des grincements. On dirait des bruits de frottement métallique. Bang! Le fil casse. Je me sauve en courant vers la porte de sortie, me retourne les yeux. Bing! Bang! Le gros morceau tombe sur le parquet, créant une immense boule de feu. Je sors immédiatement dehors, regardant la maison se réduire en cendres. La seule chose qui nous reste sur notre propre île, bien, c'est nous-mêmes. Avec nous-mêmes, on crée de merveilleuses choses. Si cette chose nous parle de profondeur, simultanément nous fera tous vivre de grands bien-être. Nos cœurs chantent au son de la vraie musique. Eh bien, ladies and gentlemen, yeah, 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 au grand temps de s'aimer, automne, grand temps des récoltes. Ensemble, nous recréons l'histoire. Yeah. Yeah, yeah, to be continued. Merci pour ta poésie et ta grande sensibilité, Priya, et merci pour votre engagement dans le projet qui a été vraiment important, et merci beaucoup, ça a vraiment fait, votre présence a fait toute une différence, et continue de le faire. On continue vers une autre histoire très étrange qui s'intitule « Le rang des possibles », qui nous présente un enfant qui n'en est peut-être pas un, ou un jeune en tout cas qui n'en est peut-être pas un. Et l'histoire a été écrite par Gabrielle Félix, qui n'est pas avec nous, et elle a été continuée par Dorothée. Donc, je débuterai l'histoire « Rang des possibles » qui sera poursuivie par Dorothée. J'ai 12 ans depuis 10 ans. Mon corps et mon esprit ont arrêté de vieillir. J'ai quand même 10 ans de plus de vie et d'expérience qu'un vrai garçon de 12 ans. Les docteurs ont parlé de complications génétiques. Moi, je vois ça pas mal bien. Je me trouve chanceux parce que je me dis que je ne mourrai peut-être même pas. À moins qu'à un moment donné, je pogne un esti de coup de vieux. Ouais. C'est juste que je suis un peu seule dans le monde. Il n'y a pas vraiment de place faite pour un ado qui a 10 ans de plus d'expérience dans la tête, mais pas la façon de penser d'un adulte. Mon père me traite comme un ado, ouais. C'est-à-dire qu'il me garde avec lui et qu'il s'occupe de moi. C'est cool en un sens, j'aurais jamais me responsabilisé trop. L'école, c'est drôle. J'ai pas pu finir mon secondaire. Plus ça allait, plus je comprenais rien. Puis également, je peux genre pas travailler. Fait que je m'occupe quand je peux. Je peins sur mes murs de chambre un lac rose entouré d'arbres roses et bleus et j'en rajoute quand le cœur m'en dit. Des palmiers et des sapins roses et bleus néons, en veux-tu, en v'là. Mon père vient de s'installer dans son fauteuil du salon placé entre deux haut-parleurs larges qui montent jusqu'au plafond pour manger son sandwich au ballonné et il met de la musique. Je goûte à cette magie invisible qui fait vibrer les murs de la maison. Sur fond de jazz, je souhaite que mon père sorte de sa dépression et retrouve un emploi
car si ça continue, on sera obligé de partir de la maison puis d'aller vivre dans un petit appartement. Bof, c'est pas trop réjouissant tout ça, mais il restera toujours la musique et surtout le vieux jazz pour nous remonter le moral, comme quand maman était là et qu'elle achetait un nouveau disque chaque semaine et le mettait sur le tourne-disque, en allumant de l'encens rose en nous disant « Écoutez ça, les amours! » Sinon, dans le rang des possibles, peut-être que demain j'aurai grandi, ne serait-ce que d'un centimètre, que papa retrouvera le goût à la vie et que maman nous préférera et reviendra d'où elle peut bien être. Souhaitez-moi bonne chance. Depuis que mon père a perdu son travail, il est tout le temps à la maison. On cohabite. Il dit que de toute façon, avec ses connards de politiciens et ses patrons corrompus, il n'a aucune chance de retrouver un emploi et que ça ne vaut même pas la peine d'aller voir. Ça fait longtemps maintenant, les connards de politiciens ont changé au moins une ou deux fois depuis qu'il a dit ça. Il dit que l'économie va mal, que les pourris qui dirigent laissent tomber les gens comme moi, comme nous. Et les gens de la télé disent ça aussi, ça doit être vrai. Quand il dit « les gens comme moi », j'ai comme un gribouillis dans le ventre. Mais après, je hausse les épaules, puis ça passe. Ouais, j'ai pas besoin d'eux après tout. Dans un mois, ça va faire à peu près 10 ans depuis qu'elle nous a quittés. Je me demande si c'est lié avec le fait que j'ai arrêté de vieillir. Tu sais, pour qu'elle retrouve le petit garçon qu'elle a laissé quand elle est partie. Pour pas trop la bousculer et créer un choc dans sa tête. Mon père me dit que je devrais pas trop m'en faire avec cette idée de retour, que ça risque de vraiment pas être de sitôt. Puis quand il dit ça, ses yeux deviennent un peu vitreux comme la buée sur les fenêtres. Et il regarde dans le vide et il soupire fort. Moi, j'insiste pas. J'ai quand même l'intelligence émotionnelle de comprendre qu'il vaut mieux respecter son silence. Mais quand même, j'aurais bien aimé savoir pourquoi elle m'a pas emmenée avec elle là où elle est partie. Les sapins roses et les palmiers, c'est à ça que je pense que ça ressemble. Parce que sa vie n'était pas assez rose. Je la vois encore, elle me tient la main tout en marchant sur le trottoir glacé et elle m'explique qu'elle voit tout gris et noir autour d'elle, que tout lui semble étouffant. Moi je voyais des couleurs, mais elle, non. Elle disait qu'elle était tout le temps fatiguée. Alors je pense qu'il doit y avoir un chalet ou une plage avec un hamac, le sable, la mer. Parce que j'arrive pas à décider que je décide qu'il y a des sapins et des palmiers, même si ça arrive pas souvent de les voir à côté. Et comme apparemment il pleuvait dans sa tête, ça c'est ma grand-mère qui a dit ça, je trouve l'image intrigante, mais les vieilles personnes disent parfois des choses qu'il faut pas trop chercher à comprendre autre mesure. J'espère qu'il fait soleil dans sa nouvelle maison. Un lever de soleil triomphant sans fin. Un coin de paradis avec des tournesols. Merci Dorothée et merci à Gabriel Félix pour les mots. On prend une petite minute en musique et on revient avec une histoire de princesse et de Chopin. Thank you.
voilà, une petite pause ben avec Chopin pour se détendre. Donc, la prochaine histoire a été débutée par Alani et a été continuée par Sarah Léa qui poursuit l'histoire quelques années plus tard. Donc, une belle rencontre entre les générations. Donc, voilà, Alani, le micro est à toi pour Djejna sous le charme de Chopin. Déjà, il s'est fait tard. C'est une soirée extrêmement chaude. Dans une maison à deux étages, habite Djejna, la petite fille du prince. Ah, et oui. Cette jeune femme aux cheveux noirs courts se fait belle, car ce soir, Chopin vient la visiter dans sa chambre. Elle n'a rien dit à ses parents. Elle sortira par la sortie d'urgence vers 23h30. Son amoureux et elle se sont rencontrés lors d'un concert intime au palais du roi. Il y avait une vingtaine d'invités, des sushis et beaucoup de vin blanc. Chopin remarqua que la jeune Vietnamienne avait un style très gracieux. Elle portait lors de cette soirée une grosse robe noire avec un collet blanc de dentelle. Et elle avait aussi attaché ses cheveux avec deux baguettes, un collier de perles saillait son cou de porcelaine. Elle avait peint ses ongles en noir pendant le concert et n'arrêtait pas de se remettre du fard à joues. Car à chaque fin des chansons du pianiste, ses yeux s'embrouillaient de larmes et son maquillage avait tout fait de partir avec ses larmes de joie. Elle était envoûtée et le compositeur l'avait courtisée après son concert. Mais malgré ses 23 années sonnantes, Djejna avait un frère encore très protecteur. Elle lui dit de revenir la voir plus tard le lendemain chez elle. Djejna ne s'attendait pas à ce que Chopin se présente avec une bague. Il prit sa demoiselle sur son lit, l'embrassa tendrement, et lorsque leurs corps se furent imprégnés l'un de l'autre, il l'amena sur le bord de l'eau et lui demanda sa main. Djejna accepta tout de suite. Elle avait tant besoin de sa présence à lui. Jamais elle n'avait ressenti de la joie à être une femme. Mais tout ça était fini depuis sa rencontre avec lui. Elle se sentait bien, en santé, sous le charme. Chopin passerait la prochaine saison sur un bateau à composer. Elle avait déjà décidé ce qu'elle ferait à ses côtés. Elle allait dessiner les dauphins et chanter des chansons aux oiseaux et aux poissons. C'était une femme mystérieuse. Elle avait seulement besoin de l'amour de cet homme, car elle avait déjà toutes les qualités et les habiletés à l'intérieur d'elle. Elle adorait être sa muse. Aussi avait-elle un don pour communiquer avec les sirènes et les êtres de la nature. Bien des années plus tard, Djejna, assise exactement où elle avait vu Chopin pour la dernière fois, attend la fin du jour. Elle a tant aimé cet artiste exceptionnel. Le ciel en feu du coucher de soleil ravive une émotion intense. L'eau un peu agitée l'apaise et l'emporte dans ses rêves. Les ondes de son cerveau voyagent sur les vaguelettes brillantes qui dansent sur l'eau comme de petites poupées lumineuses. Elle sent plus que jamais la vie autour d'elle. L'ombre des arbres centenaires qui la protègent et les sons des animaux de la forêt qui s'installent pour la nuit. Elle ne sent aucun humain à proximité, sauf le fantôme d'un être merveilleux qui, un court moment, a fait d'elle sa muse. Elle se remémorait les histoires des peuples de la mer qu'elle lui a racontées. Elle croit entendre le rire communicatif de Frédéric quand il parlait des potins de Paris, qu'il appelle le plus beau des mondes. Ils se sont aimés passionnément durant un mois sur son bateau, où elle le rejoignait le plus souvent possible.
Un jour, se promenant tous les deux au bord de l'eau, il lui annonce qu'il doit retourner chez lui. Mais il reviendra. Dans le tourbillon de sa vie à la cour, elle avait presque oublié un passé qui l'a pourtant marqué profondément. Au soir de sa vie, elle se demande si sa musique l'a inspiré plus que l'homme lui-même. Après son départ, elle a appris à jouer du piano sur un instrument magnifique fabriqué en France qui a voyagé jusqu'à elle. Sa famille a tenté en vain de la convaincre de trouver un compagnon. Elle leur répondait alors, « La musique habite ma vie. Je donne des concerts et apporte un bien-être aux gens que je touche. Je fais partie de leur vie et eux de la mienne. » Si elle a pensé avoir besoin de l'amour de cet homme, c'est en réalité sa créativité qui l'a inspirée. Lorsque ses mains courent sur le clavier, elle vit cette connexion avec lui, peu importe où il est. Continuellement, elle ressent ce lien partout où elle se produit. Le jour de sa mort, elle jouait à la cour devant sa famille et quelques invités. À la fin de la dernière pièce, elle éclate en sanglots, sans savoir pourquoi. Des années après avoir reçu la nouvelle de la mort de Frédéric, elle reste inconsolable. Le son de l'eau sur la grève l'emporte loin, très loin dans ses pensées. Elle ouvre son journal et écrit une dernière page. Elle a connu un autre homme après son bel amoureux. Voici ce qu'elle écrit. Keanu m'a courtisé longtemps. Il désirait m'amener en Europe comme épouse d'ambassadeur. Il espérait utiliser mon talent pour pénétrer dans les salons de culture sophistiquée. J'aurais pu. J'ai accepté de me donner à lui, d'échanger. Je l'ai aimé. Mais il n'était pas possible de le suivre à Paris. Par la suite, j'ai convaincu mon frère de cesser de m'introduire à des amoureux. Je ne m'y intéresse pas. À chaque semaine, je reçois des enfants pour leur enseigner l'art de jouer du piano. De cette manière, je répands l'amour de la musique et de ce noble instrument. Plusieurs de mes élèves enchantent la vie sociale de leur famille. L'un d'eux m'accompagne parfois dans mes tournées. Mon grand-père, le prince Ayui, a décidé de me donner une maison. C'est devenu une académie afin de répandre la connaissance des meilleurs musiciens. Il en invite à sa table. Et en après-midi, je choisis quelques élèves pour les rencontrer et profiter de leurs conseils. Je n'ai plus jamais revu Frédéric. Mais il vit partout, à l'académie et dans ma ville. Il inspire des tas d'artistes locaux ou du pays. Ce soir, toutes mes pensées touchent les étoiles. Je regarde mes ongles peints en noir et je resserre le châle sur mes épaules. La nuit tombe doucement. Je reste ici car je sais qu'il est temps pour moi de les rejoindre. Je me connecte aux vibrations de la terre et ferme les yeux. Merci énormément, Sarah Léa et Alanie, pour Femme de cœur, hein, pour cette histoire tout en amour et en musique et en sagesse et en créativité. Vraiment une histoire qui vous ressemble aussi. Merci, c'était très beau.
On continue avec une histoire plus courte, La complainte du loup ou du loup-garou, qui a été débutée par Anne-Marie, qui est aussi avec nous, mais dont, pour qui je prêterai ma voix pour faire la lecture, et qui a été poursuivie par Estelle Gilbert, donc qui prendra le micro à ma suite. Une courte histoire, La complainte du loup ou du loup-garou. Moi, le loup-garou, être persécuté, à qui l'on attribue tous les vices et aucune vertu. Pourquoi me chasser de mon royaume, la forêt, au nom d'une monarchie sans dessus-dessous qui prive le peuple du droit de se nourrir et de se vêtir convenablement? Le jour viendra où justice prendra sa place de choix et gare au roi qui fait la loi. Ou la vengeance d'une simple paysanne qui, pour ses propres ambitions, m'empêche de dévorer quelques veaux à la chair si tendre. Si j'avais un crayon magique pour corriger les fautes de ma conduite stratégique et dessiner les mandalas de ma vie fugitive, je pourrais me téléporter pour écouter, dans le calme du luxe d'un château, Liebestraum de Franz Liszt, recueil de 3 œuvres magistrales pour piano, et ainsi sombrer dans le sommeil du juste, tout en rêvant de ballons, de feux d'artifice et d'étoiles, en somme, à un univers féerique délesté du fardeau de ma vie d'errant cambrioleur sans but ultime. Et si sur ma route je marcherais fièrement, offrant des fleurs aux villageoises, je gambaderais allègrement dans les champs, embaumant le parfum délicat des herbes fraîches. En direction de mon havre de paix, je jouerais de la clochette et les vaches flotteraient d'allégresse à l'écoute de ces sons mélodieux. Ma vie, qui autrefois était un calvaire perpétuel, rayonnerait des kilomètres à la ronde et tous voudraient flatter mon beau pelage noisette. Bien sûr, je choisirais des pétarades de joie, j'entonnerais l'hymne au bonheur de ma voix de stentor. La nuit, à la lumière du clair de lune, je danserai en laissant mes vêtements tomber un à un. Ah, courir et mordre dans la vie, quel plaisir, lorsque je me roulerai dans l'herbe et dégusterai un petit veau bien frais, je les adore. Je roulerai mes grands yeux verts et j'userai de mon verbe charmant pour le séduire habilement. Le jour, accompagné de mes copains, je me ferai l'ami du roi et de sa cour. Dressé sur la montagne dorée, je lirai des poèmes sur les notes de Liszt. Mes mots se feront entendre jusqu'à Vénus. Les dieux de l'Olympe célébreront cette musique céleste. Apollon m'accompagnera de sa lyre. Dionysos et ses ménades s'amuseront dans une ambiance remplie de joie et d'amour. Aphrodite m'enverra une missive afin que je la rejoigne. Ah, laissez-moi rêver que je me berce et jouisse de mes scénarios de bien-être perpétuel. C'est ma romance, c'est ma liberté que je réclame. Mon être changeant lance à l'univers sa profonde désinvolture. Merci beaucoup. Anne-Marie, tout d'abord, femme engagée, ça transparaissait à travers cette histoire fantastique et étrange. Et Estelle, toute ta sensibilité et ton amour de la vie l'a très bien poursuivi. Aussi. Il nous reste encore 2 histoires. Merci d'être avec nous. On retrouve maintenant Natalia et Diane, un duo d'enfer. Cette fois, l'histoire a été débutée par Natalia et ça s'intitule « À l'aventure ». Le 7 octobre 1950, un an après la proclamation de la République populaire de Chine, Mao Zedong ordonne l'invasion militaire du Tibet. Pendant ce temps, près du mont Everest, il neige à perte de vue. Dans une immense grotte vivaient 3 vieux sages. Chacun d'eux y avait construit sa propre tente. Ram, Joe et Kléber, ces 3 hommes, possédaient de grands pouvoirs magiques, dont l'un était d'arrêter le temps. Ram, l'aîné, dirige
tel un grand chef. Aujourd'hui, on fête Ram. Il a 10 011 ans. Kléber dit, « Viens avec moi, Joe, chasser une panthère de neige. » Ram adore manger cette viande. Joe dit, « Excellente idée. » Ils se vêtirent de fourrure, apportant tous deux leurs lance-pierres et couteaux à bout de vieilles flèches. Par ce froid glacial, ces grands sages partent pour l'aventure. Placotant de choses et d'autres, les deux hommes se dirigent vers une magnifique chute enchantée où cet animal s'abreuve. Soudainement, Kléber met le pied sur des branches et glisse 1000 pieds sous terre. Joe essaie de le rattraper et malheureusement tombe avec lui. La descente est abrupte. Ouch! Ouch! Crient les deux hommes. Tout à coup, une lumière les éblouit. Oh mon Dieu, Kléber, vois-tu ce que je vois? Et le temps s'arrête. Ils aperçoivent Julia Roberts avec Richard Gere du nouveau film Une jolie femme. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas le film qu'ils voient, mais bien le couple live. Et Julia Roberts, avec sa belle robe de cocktail noir qui les regarde avec tendresse, gentillesse, mais aussi un petit sourire narquois à la vue de leur costume, qui date selon elle de plusieurs dizaines, sinon de centaines d'années. Mais quelle différence avec le costume très bien coupé que porte Richard Gere. Mais malgré tout, elle n'a dû que pour Kléber, envers qui elle ressent déjà une attirance inexplicable. Elle fait donc en sorte de faire comprendre à Richard, en toute honnêteté, que malgré le fait qu'elle le trouve des plus gentils et super charmants, ce ne serait pas bien de sa part à elle de continuer à rester avec lui, qui dépense sans compter pour elle, alors que son intérêt va pour quelqu'un d'autre. Richard, qui n'a pas l'habitude d'être laissé pour compte, la comprend cependant, et la laisse aller malgré la tendresse et l'attachement qu'il a développé pour elle. La joie incommensurable de Kléber est facile à déceler et ne fait qu'augmenter les sentiments de Julia envers lui. Il en est évidemment tout surpris, mais en même temps et sans aucune arrogance, il s'y attendait sans toutefois savoir pourquoi. Les voilà donc tous les trois dans le bar d'un grand hôtel chic de Los Angeles, elle avec sa jolie petite robe noire et eux vêtus de leur fourrure, équipés tous deux de leurs lance-pierres et couteaux à bout de vieilles flèches. Avec les quelques milliers de dollars que Richard lui a laissés, Julia prend plaisir à offrir à ses nouveaux amis un bon repas en essayant de leur expliquer l'usage des nombreuses fourchettes et cuillères comportant les couverts étendus sur la table. Elle est vraiment drôle à voir, mais elle ne s'en rend même pas compte tellement elle est obnubilée par Kléber. Mais elle l'est aussi par son ami Joe. Après avoir avalé le bon repas qu'elle leur avait fait servir, elle décide de les amener sur Rodeo Drive, la seule rue qu'elles connaissent maintenant, pour leur acheter quelques fringues qui seraient un peu plus au goût du jour. Ils sortent donc du chic hôtel et s'apprêtent à traverser la rue. Lorsque Joe et Kléber tombent encore dans les pommes. Et le temps s'arrête de nouveau. Merci beaucoup, Diane. Merci, Natalia, pour cette histoire farfelue et pleine d'humour qui nous amène du Tibet à l'intérieur d'un film, une Julia Roberts amoureuse. C'était très éclaté. Bravo pour l'exercice. On se fait une toute petite pause musicale, un dernier souffle avant d'entrer pour la toute dernière histoire qui amènera, on tenait à finir aussi par une touche d'espoir.
On a reconnu quelques notes de Chopin à nouveau. Il nous reste donc un peu de temps pour un dernier univers. Il y en a plus si vous voulez aller sur le blog de Histoire Exquise. Vous allez trouver encore plus d'histoires. Elles ont été nombreuses. C'est un projet foisonnant. Et donc, nous terminons cette lecture publique par une histoire qui s'intitule, sans grande surprise, Le projet Chopin. Une histoire débutée par Jocelyne et poursuivie par Janie, notre co-animatrice aujourd'hui. Jocelyne, c'est à toi. J'aime cette lueur apaisante entre chien et loup. Le jour joue à cache-cache, donnant naissance à des ombres furtives pour laisser place à la nuit. La douceur du moment apaise mon cœur qui bat la chamade. Je tends les mains dans une offrande, désireuse de créer un partage entre chacun de nous. Un éclat de rire sonore rompt le charme de cet instant. Je me redresse sur la banquette de vinyle orange, appuie mes coudes sur la table de formica en mettant mon visage dans la coupe de mes mains. Le projet Chopin tire à sa fin et nous espérions changer le monde. Déjà, nous avions travaillé d'arrache-pied depuis plus d'une décennie et le succès semblait s'ouvrir sur un monde meilleur. Le projet Chopin, nous avions dans une première étape conçu un amalgame de produits permettant aux humains de se suffire en nourriture et surtout puiser à même la nature pour extraire les roches, les sédiments, le varech, le lichen, pour en concevoir un élixir riche et apportant la santé pour l'humain. De plus, une autre équipe avait réussi à planifier des gestes prometteurs permettant de faire régresser les dommages causés à la planète Terre par les compagnies qui créaient des effets de serre. Le réchauffement climatique avait diminué de près de 60 % et nous espérions réduire ses effets dévastateurs sur l'humain et la planète encore plus. Il fallait retourner en arrière et se servir des avancements technologiques pour créer une symbiose avec la Terre. Nous étions à un tournant décisif de notre vie, car si nous ne réagissions pas maintenant, nous ne verrions pas la venue de l'an 2000. Le projet Chopin avait mis de la musique dans nos vies, nous permettant de survivre au fléau futur et nous donnant l'espoir d'une vie meilleure en harmonie avec la Terre et les humains. Nous avions une bonne raison de nous réjouir. Il fallait endiguer les erreurs du passé et créer une vie plus simple. Tout à coup, autour de cette table, entourée de tous ces gens, je suis envahie d'un vertige, d'une telle force comme si à cet instant précis, je me retrouvais au bord d'une grande falaise. Je sens le déséquilibre dans tout mon corps. Je bascule, je sens chaque fibre de mon corps se réveiller. Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté, de ce tournant décisif? Qu'allons-nous en faire de ce nouveau commencement? Serons-nous nous retrouver? Cette fois-ci, on a réussi. On a réparé notre pare-brise, cette couche d'ozone sans qui aucune histoire n'aurait jamais vu le jour. Or, je me sens prise d'un vertige face à cet inconnu. Réussirons-nous cette fois à tisser ensemble de nouvelles histoires, de nouveaux chemins, des histoires où chaque espèce cohabite dans le respect de l'autre? Assise sur cette banquette,
Je me sens voler hors de mon corps. Je me vois vilvorter au-dessus de ces champs, au-dessus de ces temps. Je vois pour la première fois la beauté de ces paysages. Je revis les printemps de mon enfance passés sous cet arbre à me balancer si fort pour atteindre les nuages. Je me pose tranquillement sur cette magnifique fleur, cette fleur si fragile et si forte, si odorante, si éclatante, qui nous laisse voir sa beauté qu'une seule fois par année, une journée si unique qui est celle de la fête des mères. Cette fleur du magnolia qui naît de ce petit cocon tout poilu et doux me rappelle nos capacités d'éclore, de résister, de renaître. Dans les dernières années, j'ai vu ces fleurs tenter de se frayer un chemin à travers la torpeur de ce monde et se fatiguer de plus en plus pour ne laisser que planer que leurs souvenirs. Aujourd'hui, déposée au creux de cette fleur, j'ai la sensation qu'on peut y arriver, que nous pouvons retisser nos histoires pour en créer un tremplin sur lequel nous pourrons tous rebondir et repeindre nos chemins. Puis à travers ce voyage, tous ces visages de ces femmes se glissent autour de moi. Elles me tiennent la main. Je les sens avec moi. Elles me disent de faire confiance, de croire en chacun de nous. Je sens leurs pas, leur force, je les sens derrière nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons faire mieux cette fois-ci, je le sais. Si simplement on s'écoutait, si seulement on se regardait pour une fois, pour de vrai, réellement, profondément, jusqu'à en lire les secrets de nos âmes, si seulement on chérissait nos mémoires collectives. J'entends leur voix qui résonne en moi à chaque pulsation de mon cœur. L'amour peut être libérateur, mais il peut aussi détruire si on tente de le posséder. Brutalement, je réatterris dans mon corps autour de cette table, entourée de tous ces gens. Un éclat de lumière traversant la fenêtre m'a rappelé dans l'ici et maintenant. J'ouvre tranquillement les yeux. Et j'aperçois devant moi la lune si majestueuse, si ronde et si puissante, qui m'enveloppe et me rappelle l'unité, notre union. Au-delà des marées et des montagnes, elle fait bouger nos os et nous accompagnera dans cette renaissance. Elle me rappelle que si nous restons à l'écoute et connectés à l'unisson entre nous et autour de nous, elle saura guider notre arche. Si nous restons attentifs, elle nous fera briller les clés sur son passage. Ces clés sont celles des prisons que nous avons construites autour de nous. Saurons-nous voir ces clés? Ce projet Sopèque nous emmène à un point tournant, mais nous seuls, chacun de nous construira la suite. Il est vrai qu'on pourra survivre. Cette fois-ci, aux conséquences des violences et des injustices engendrées par les plus privilégiés qui se sont accaparés les ressources de cette terre. Il est vrai que survivre est l'art d'exister, de trouver des stratégies pour vivre, que l'art de survivre naît de nos actes de résistance. Alors aujourd'hui, le projet Sopin nous emmène à nous poser une question. Survivrons-nous maintenant grâce à l'union du groupe ou choisirons-nous de survivre en luttant chacun pour soi, un contre tous? Je ne souhaite survivre pour vivre, pour comprendre, pour être à l'écoute, pour observer et surtout pour que les plus privilégiés de cette terre, nous réveillons. Nous sommes au pied du précipice et un seul vent nous y poussera. Nous avons une seconde chance. Avons-nous le courage de tout changer? De rééquilibrer les forces, de naviguer les eaux qui nous séparent? Arrêterons-nous de croire à notre toute-puissance et laisserons-nous guider par la lune dans ce crépuscule? Lui ferons-nous confiance? Je comprends maintenant.
entourée de ces gens. Le projet Sopin, c'est chacun de nous. Un vertige m'envahit. Que ferons-nous? Bravo, Janie. Merci beaucoup pour cette conclusion. Si près de l'esprit, en fait, même d'histoire exquise, qui était un projet pour se connecter à travers les mots, en pleine époque pandémique, à travers des petites collectes, des petits gestes, des petits mots qui sont allés de plus en plus justement vers cette connexion, vers ce regroupement, vers cette créativité commune et belle qu'on peut partager. Merci beaucoup Jocelyne et Janie pour cette dernière histoire. Merci Janie pour ta co-animation et toute ton implication dans ce projet. Merci à Valérie aussi qui a porté le projet dans son cœur pendant des mois et à travers son travail. Merci à Dorothée qui en a été l'initiatrice au sein d'Execo. Merci à Diane pour ses mots et ses lectures et son enthousiasme toujours de participer à des projets comme ça. Merci à Jocelyne qui ne pourrait vivre sans écrire, tout comme Natalia dont la musique et la poésie nous emportent. Merci à Alani, une femme passionnée et passionnante, généreuse et une très bonne performeuse qui a réussi à être avec nous aujourd'hui. Merci à Sarah Léa, notre aînée dans ce projet et qui a su nous insuffler de sagesse, mais aussi d'une énorme bienveillance. Merci à Estelle qui aime la vie et qui la dévore et qui a toujours envie de savoir, de créer, de faire de la poésie. Merci à Priya qui, elle aussi, de son côté, travaille à rassembler, à transformer le monde. Et merci aux autres d'avoir été avec nous. C'était la lecture publique d'Histoire exquise. Merci à Marie-Paul. On va fermer l'enregistrement sans te remercier. Merci Marie-Paul d'avoir joué la chef d'orchestre de ce projet-là, de nous avoir guidés avec beaucoup de savoir, mais aussi beaucoup de douceur. D'avoir prêté ta voix au texte, d'avoir harmonisé, accompagné, donné des réchauffements, de nous avoir donné confiance pour ceux et celles qui n'avaient pas nécessairement l'habitude d'écrire, de nous avoir porté là-dedans, d'avoir publié les textes. Bravo, merci à toi pour ton implication dans ce projet depuis le début et jusqu'à encore aujourd'hui. Ça a été un grand bonheur et ça m'a permis, ça a amené plus de vie dans ma vie. Merci à tout le monde et merci.